C'est vrai? C'est l'endroit où tout a commencé pour moi, l'endroit où j'ai grandi, l'endroit où j'ai commencé à faire le rugby. C'était un endroit assez spécial puisque au final toute ma famille est quasiment passée par ce stade. Donc je suis très rattaché à cet endroit et c'est pour ça que je vous amène ici, parce que c'est un endroit qui me sert un peu de recueillement quand on passe de périodes, je dirais sombres, comme la blessure ou... S'il y a des périodes où on joue moins en club, j'aime bien revenir le week-end, mais du coup quand je joue pas, revenir ici, profiter de ma famille, profiter des moments, et c'est pour ça que je vous aime ici. Alors du coup j'ai commencé ici à la Vardac à l'âge de 4 ans, où j'ai fait toute l'école de rugby jusqu'à l'âge de 14 ans, où je suis parti vers Agen. Là j'ai fait toutes les catégories de jeunes jusqu'à 23 ans, où j'ai fait 3 saisons avec les professionnels, et je suis parti en juin dernier à Toulouse. Je suis pas forcément expressif sur un terrain, je suis plutôt à l'écoute et j'exécute les tâches que les capitaines, les coachs et les leaders de jeu me donne avant le match. Je suis quelqu'un d'assez combatif et je donne tout pendant un match, même si mon jeu est parfois haché, qu'il y a un peu de déchets ou même des erreurs. Je commence par une envie et une détermination qui me permet de gommer quelques erreurs et de rendre une copie propre. Mon pire souvenir, je te l'ai montré en vidéo en plus. Oui. C'est il y a 3 ans maintenant contre Toulouse Armandie. C'était mon premier match d'ailleurs à Agen, où je tente une relance assez osée et assez suicidaire qui me vaut le surnom de pire relance de rugby. Donc pas top mon souvenir. Mon meilleur souvenir, c'était la finale d'accession à Bordeaux contre Montauban, maintenant il y a 3 ans. C'était ma première finale. C'était ma première phase finale et du coup ma première finale. Et c'était un moment assez fort puisque j'ai partagé tout ça avec des copains que je connais depuis 13-14 ans maintenant. Donc c'était un moment assez fort. Il y avait toute ma famille dans le stade, il y avait tout le peuple à Genève. Donc au final, c'était un moment vraiment un moment chargé en émotions. Et d'ailleurs, quand j'en parle, j'ai encore un peu des frissons, mais c'est vraiment un très bon souvenir et on a très bien fêté surtout. Remets et enlève-le. Enlève-le et je le remets. Hop. Oui, remets-le. Hop. Je peux mourir demain, ça ne change rien. Mourir demain, ça ne change rien. Thank you.
tu veux aussi. Ah bah super. Nous sommes à Agen, dans un bar qui s'appelle l'Indépendant. C'est un bar qui est ouvert il y a maintenant, je pense, 2 ans. C'est un bar assez convivial et chaleureux où j'aime passer mon temps, passer mes après-midi, mes après-matchs. C'est un lieu où on passe de très bons moments, soit avec la famille, ou avec mes amis ou avec mes coéquipiers. Donc c'est un lieu qui me ressemble, puisqu'il fait bon vivre. Donc, voilà, ça me décrit parfaitement, c'est pour ça que je l'ai amené ici. Mes hobbies, en ce moment, comme je suis blessé, c'est beaucoup la Play. Je joue beaucoup à la PlayStation, donc après avec les jeux du moment, là c'est en ce moment c'est Fortnite, beaucoup Fortnite. Un peu FIFA, mais majoritairement Fortnite, donc je passe de nombreuses heures. Malgré le reproche que je sois un peu trop bruyant. Quand je joue, je suis concentré dans le jeu, donc du coup. Ouais. Mais après, sinon, ça me fait passer mes journées, ça me fait un peu oublier la blessure, donc. Même si forcément, après, j'ai les yeux qui piquent, mais ça, c'est pas. Après, sinon, j'aime tout, j'aime jouer aux cartes, j'aime aller boire un coup en ville. La pétanque, j'aime tout visiter. Dès qu'il y a une activité, je suis assez friand. Je suis assez ouvert, donc. Oui, c'est une passion. C'est un hobby que j'aime partager avec mes amis. J'ai quelques amis qui ont commencé à me faire découvrir le vin. On a fait quelques visites de château, donc c'est une passion, c'est une activité que j'aimerais découvrir et affiner. Oui, en ce moment là, je suis devenu parrain d'une association là, qui va ouvrir en septembre sur le Lot-et-Garonne. C'est un centre pour les jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Donc, comme mon père est pompier, donc. Il me l'a proposé et je l'ai accepté avec grand plaisir. Donc je vais voir comment ça se passe parce que c'est la première fois que je vais être parrain d'une association, donc j'ai très hâte de le découvrir. On fait un sport de combat, c'est un sport collectif, donc l'amitié, le partage, la combativité et le plaisir. Il faut toujours donner avant de recevoir. Il faut jamais attendre des autres. Il faut toujours se recentrer sur soi et pas forcément se taire, mais travailler et à un moment ça va réussir. Mais il faut, c'est ça, il faut plus de travailler, c'est beaucoup de travail de l'homme. Si tu donnes, tu recevras un certain moment. Mais voilà, moi c'est ce que je me dis toujours dans la tête. C'est peut-être pas forcément individualiste, c'est pas une approche égoïste, mais. C'est l'inverse. Un grand secret. Je peux faire les deux ? Oui. Un grand secret. Non, je cuisine, mais bon, c'est pas un grand secret. Je pense que tout le monde le sait, enfin tout le monde dans mon entourage le sait. Et non, un grand rêve, j'aurais voulu aimer rencontrer Iris Mittenard, l'ancienne Miss France et Miss Univers. Tout simplement pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle a fait pour la France, mais ouais, c'est un rêve pas forcément de gosse, mais d'homme. Tarzan. Non seulement parce que j'aime le film, j'aime en général tous les Disney, mais quand je le vois, je me représente bien dans ce personnage. Voilà, un homme libre qui fait ce qu'il a envie et malgré des fois les reproches de sa famille ou un peu les reproches. Oui, c'est ça, les reproches de sa famille
il devient un homme et un bel homme. Merci beaucoup, Pierre.